On est au complexe du Sepéro. Il y a un gros événement. C'est une première là, au complexe. SR2, en collaboration avec les services Québec de la Naudière, ont décidé de mettre sur pied un salon justement de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, que ce soit intellectuel, physique ou même émotif, cérébral, un peu de tout. Finalement, c'est tout handicap confondu. Un, les entrepreneurs ont besoin de main-d'œuvre. Et deux, ces gens-là ont besoin de se trouver un emploi adapté à leur handicap ou à leur situation. Je suis totalement surprise et tellement fière de ma région de voir 31 employeurs qui décident d'offrir et de s'adapter à cette clientèle-là, qui ont des compétences extraordinaires, qui ont plein de bonté, plein de trucs. Peut-être que justement, ce qu'on disait, que les personnes qui n'ont pas d'handicap, ils ont peut-être plus à offrir que les autres. Il faut juste savoir quoi, puis il faut juste savoir s'adapter à leurs conditions. Et ce qui est bien avec SR2, c'est que justement, il y a un suivi qui se fait justement dans l'entreprise pour intégrer la personne qui s'en va à son nouvel emploi. Les employeurs ont aussi beaucoup à apprendre. C'est un peu démocratiser la différence. Ces employés-là sont souvent parmi les meilleurs. Des fois, ils peuvent être un petit peu plus lents. Par contre, ils vont être tellement stables, ils vont rester à leur place, ils vont être là tous les jours, toujours avec le sourire. Ils ne sont pas blasés de leur travail non plus. Il y a des gens que nous, on ne ferait pas un travail à répétition complètement. Et ces gens-là, pour eux, c'est sécurisant d'avoir ce travail à répétition-là. Et c'est valorisant, ça fait qu'ils deviennent un citoyen comme les autres qui gagnent sa croûte et qui vit dans la communauté. Je pense que c'est gagnant-gagnant des deux côtés, que ce soit pour les gens en situation de handicap et au salon aussi. Puis on a des exemples extraordinaires avec notre présidente d'honneur qui est Claudiane Guillery, qui est non-voyante, et Martin Deschamps, que tout le monde connaît dans la région, mais qu'on a toujours un plaisir extraordinaire à venir entendre. Bravo pour l'initiative, puis souhaitons que les entrepreneurs vont comprendre que c'est des forces, ça peut devenir des forces pour leur entreprise. On fait partie d'un comité qui s'appelle le Comité pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Et c'est de là que l'idée de faire un salon de l'emploi est née. On est plusieurs partenaires qui travaillons avec les personnes handicapées. On a fait une demande de financement à Service Québec régional et à l'Office des personnes handicapées. Et on a eu du financement. On est aussi en partenariat avec l'Association des personnes handicapées de Matawinie. Et on a quand même un petit comité du salon de l'emploi. On a travaillé ensemble pour faire en sorte que ce salon-là se aujourd'hui. Pour l'entreprise qui ne connaît pas vos services, qui a peut-être des réticences face à ces personnes différentes-là, SR, j'imagine que c'est un lieu de rencontre idéal pour se familiariser puis aller chercher ces étoiles-là qui attendent juste de servir. Exactement. On est un service spécialisé de main-d'œuvre, spécialisé, on le dit, pour des personnes qui ont des limitations. Donc, on a des conseillers en emploi et des agents d'intégration qui travaillent depuis des années avec les personnes qui ont des limitations, tant physiques, en santé mentale, déficience intellectuelle, et qui travaillent fort là avec ces personnes-là pour les aider dans leur démarche de recherche d'emploi ou pour le maintien en emploi. Donc, les employeurs peuvent nous appeler aussi si on a des employés, par exemple, un employeur qui aura un employé qui a tout à coup un diagnostic de sclérose en plaques, mais on peut les aider aussi à revoir les tâches pour maintenir la personne. Mais ils peuvent nous appeler aussi, on fait de la présélection de personnel. Donc, si on a des postes à combler, par exemple, un employeur qui aurait besoin d'une adjointe administrative pourrait nous appeler ou nous envoyer un courriel, une description de tâches. Et nous, on regarde au niveau de la clientèle qui est inscrite chez nous, voir s'il y a des personnes qui correspondent à leurs besoins. Et à ce moment-là, on envoie les CV et nos conseillers travaillent avec eux pour aider au maintien et à l'intégration. Je pense qu'en plus, vous faites un suivi avec l'entreprise puis avec la personne par la suite, fait que c'est plus facile là, de s'adapter pour l'entreprise qui ne connaît pas le milieu, si on peut dire. Notre équipe accompagne les employeurs tant que la personne est en emploi. Donc, s'il arrive quelque chose, ils ne savent pas trop quoi faire, mais avant de congédier, si ça ne fonctionne pas bien, ils peuvent nous appeler. Parce que des fois, c'est des petits détails qui vont faire la différence. Par exemple, une personne autiste peut avoir un problème avec un ventilateur qui fonctionne toujours, ça va la déconcentrer. Bien, nous, on peut aller voir sur place puis aider l'employeur ou à faire des tâches de travail qui sont différentes de celles qu'ils font habituellement pour aider la personne à mieux les comprendre. On a toutes sortes d'outils aussi pour aider les employeurs, là, pour les sensibiliser, mais pour leur faire comprendre c'est quoi les particularités de la personne qui embauche. Donc, ça aide, on fait de la sensibilisation au niveau de l'équipe de travail aussi. On souhaite que toutes les entreprises connaissent ça puis utilisent vos services. Merci. Well, they're calling the two blues, calling the blues for the juju.
blonde en Sacré-Cœur. J'ai bien avec toi pour le passer le temps. L'autre soir, j'ai chanté du blues. L'autre soir, ça l'a rendu jaloux. Anyway, les femmes sont jalouses du blues. Calling the blues. Oh, 'cause to shoot.